Mais je crois que le film, il alterne entre plusieurs genres, c'est-à-dire il y a aussi un plaisir à pas pouvoir le définir, c'est-à-dire je pense que d'une manière générale, pour s'amuser, on pourrait dire que c'est un thriller sentimental. Quiero Abel. En el fondo tú no le quieres, así que te lo pido. Déjamelo. ¿Y si te digo que no? Entonces será la guerra. Mais c'est comme s'il y avait un plaisir à retrouver ces jeux de pouvoir et d'amour, on pourrait dire. Mais alors là, les rôles sont un peu inversés, parce que c'est les femmes qui sont plutôt dominantes et les hommes qui ont l'air dominants. Et si haces el amor con ella, sé perfectamente que te atrae. Si me acuesto con Eve, eso significa que tengo que vivir con ella. Pues eso es lo que parece. Et bizarrement, le film joue avec les idées, les stéréotypes, c'est-à-dire qu'au fond, on pourrait même parfois imaginer que quelqu'un a du plaisir à être trahi. ¿Tienes un minuto? Sí. ¿Por qué? Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Estupendo. Abel, lo estoy, pero no de ti. On est plus étrange, je veux dire. Dans les rapports amoureux, on est plus étrange que ce qu'on veut bien croire. Abel, no me cae bien porque me ha robado a mi madre. Fue mi madre quien mató a mi padre. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y cómo lo hizo? Con veneno. Donc c'est un jeu très délicat entre des situations qui sont assez originales et en même temps qui sont très humaines.